Cet après-midi, ma colonelle me dit tiens, va me porter ce carton chez ma bottiste rue Grenelle, et puis te perds pas mon garçon. Ne voulant pas faire de bébus, ni me balader jusqu'au soir, je me dis pour pas me perdre dans les rues, je vais suivre la bordure du trottoir. La suis donc jusqu'à la Bastille, mais sur la place je me trompe de chemin, et je tombe dans un groupe de jeunes filles qui me disent tiens, soldat trottin. Alors elles me font des manigances, elles me tiraillent, je leur dis taisez-vous, ce que j'ai sur moi c'est à la France, je peux pas vous donner le plus petit bout. Je me dis, faut que je m'en débarrasse, je cours dans mais tout le bataillon me suit, j'enfile un tas de rues, un tas de places, mais bientôt je vois qu'il fait nuit. Toujours suivi de mes inconnus, je pensais, me lâcheront pas, ça se voit, et s'il faut que je couche dans la rue, les petites vont coucher auprès de moi. Là-dessus, j'arrive dans les Tuileries, et si je m'arrête pour les tirer, je leur dis, laissez-moi, vous en prie, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Alors l'une d'elles me prend ma boîte, l'autre mon képi sans rougir, voilà qu'une troisième à ma droite me dit, je veux ta culotte comme souvenir, moi, non? Alors je lui donne ma culotte, un autre me prend mon caleçon blanc, une brunette me prend ma capote et une grande blonde me prend le restant. Une fois tout nu devant ces furies, je me dis comme il y en a une ou deux qui ne se sont pas encore servies, qu'est-ce qu'elles vont me prendre, mon Dieu, mon Dieu. Tout à coup, à l'entrée de la grille, paraît le gardien qui voit le fourbi, et aussitôt toutes les jeunes filles se sauvent en laissant mes habits. Et moi, comme si le diable m'emporte, je me tire des pieds immédiatement, quand le garde s'écrie qu'on ferme les portes, voilà une statue qui fout le camp. Wow! Bref, le garde m'arrête dans la rue et me dit mais on vous coffrera du moment que vous n'êtes pas statue, faut pas sortir tout nu comme ça. Ah ben que je m'écris en colère, comment ça se fait-il qu'on ne dit rien aux statues qui montent leur derrière et qu'on me fout dedans quand je monte le mien?